Semaine 3 de Top Chef, tout le monde a appris ses marques et il n'y a déjà plus le droit à l'erreur. Et avec deux épreuves totalement différentes, on a vu que le niveau était très, très haut. La première épreuve ne partait pas super bien parce qu'il fallait que les candidats préparent un dessert de la mer, genre avec des fruits de mer quoi. Bon, du coup, Ambroise et Lilian ont décidé de concocter un petit vacherin iodé avec des moules. Et Paul Perret, il était pas très chaud pour la moule en dessert. Moi, je serais pas parti sur la moule, c'est très compliqué la moule. Finalement, et c'est là où ils sont forts, Ambroise et Lilian sont parvenus à se qualifier direct pour la semaine suivante, tout comme la brigade de Philippe Etchebest avec sa pavlova à l'oursin. Bon, comme nous, les fruits de mer, c'est pas trop notre truc, on a préféré la deuxième épreuve, celle qui consistait à revisiter le poulet rôti pour la tradition du dimanche, quoi. Donc forcément, tout le monde a parlé de sa famille, comme Lucie. Je voudrais faire juste un concentré de goût comme un millefeuille avec le poulet de Mamé. Vous connaissez Mamé, chef ? Dis-moi. Non, personne ne sait qui est Mamé, même pas Glenville. Pour info, c'est la grand-mère du fils de Lucie. On n'avait pas besoin de connaître tout son arbre généalogique pour apprécier son plat, qui a été le coup de cœur d'Alexandre Gauthier grâce à son condensé de poulet. En même temps, ça ruisselait de gras, ça donnait envie. Louise croyait vraiment se qualifier grâce à son poulet, mais ça n'a pas marché. En revanche, elle n'a pas été envoyée en dernière chance comme Logan, Michael, Thibaut et Tania. Et c'est la candidate italienne qui a été éliminée. Gros coup dur pour Glenville qui perd donc deux semaines de suite. Heureusement pour lui que la brigade solitaire était là puisqu'il récupère Ellis. On espère juste qu'il fera mentir l'expression « jamais 203 ».